dis bonjour. Tu dis bonjour. Ah. Oui, dis bonjour. Fais comme ça avec les bras. Fais avec les bras. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Nous, aujourd'hui, on continue un petit peu à faire les petits cadeaux de Noël. On n'a fait que deux hier. J'ai acheté tellement de choses à Georgia parce qu'on part au ski là. Et du coup, je lui ai fait une petite des tenues un peu trop belles chez Jacques Adi pour lui faire des belles photos au ski. Je dois aller à Decathlon jeudi d'ailleurs pour trouver une combi puisqu'il y a mon frère qui vient avec nous. Je suis enrhumée, c'est horrible. Et il y a mon frère qui vient avec nous et il a pas de combi, donc il faut qu'on aille à Decat. Il faut que je lui prenne aussi à elle des trucs chez Decat pour les des trucs très très chauds pour le ski. Et puis voilà, aujourd'hui on va continuer à faire quelques cadeaux de Noël. Je lui ai trouvé, enfin en fait j'ai regardé la story de Kevin, Kevin Gage, que vous avez dû voir sa story peut-être. En gros, il a filmé des moon boots dans sa story. T'es dans un magasin et il a filmé des moon boots. Et j'ai vu que les moon boots, elles étaient minuscules. Et j'ai dit non, 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 je les veux trop pour Georgia. Je veux trop lui mettre les moon boots pour aller au ski, pour faire des trop belles photos et tout. Et du coup, normalement, peut-être que je vais aller récupérer les moon boots. Et qu'on va lui mettre les moon boots. Je suis trop contente. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que... elle a un nouveau truc ou qu'on va faire un truc nouveau ou quoi, je suis la plus gaga. Genre je sais que elle-même quand elle va être plus grande et qu'elle va comprendre, je serai même moi plus contente que elle. Genre la photo avec le Père Noël, je sais que quand elle sera plus grande, quand elle se rendra compte et qu'elle aura la notion de comprendre, bah je sais que je serai toujours plus contente que elle à chaque fois parce que j'aime trop la voir avec des trucs comme ça. Bon, trop contente. En fait, pour vous expliquer, j'ai une application qui s'appelle Cuisiner pour bébé. Attention, c'est pas du tout une collaboration. Vraiment, c'est pas du tout une collab. Mais en fait, je leur ai écrit sur Insta parce que du coup, je suis sur leur application et c'est par cette application que j'ai commencé à faire des recettes à Georgia, les recettes maison. Et en gros, je leur ai écrit sur Insta parce que je sais qu'il y a des spécialistes en diététique, diététicienne pour bébé, etc. Et ils m'ont dit que si Georgia tenait bien assise, que si elle tenait sa tête bien droite et que elle était intriguée par la nourriture et qu'elle tenait elle-même la nourriture, c'est-à-dire que par exemple Georgia, elle mange déjà des boudoirs à la main toute seule, les boudoirs qui fondent dans la bouche, et du coup bah, je sais qu'elle a déjà tous les critères requis pour pouvoir manger des morceaux elle-même. Et j'ai une recette à faire, je vais vous expliquer. Ça c'est la recette. Donc en fait moi j'avais vu qu'il existait des petites gaufres, genre des gaufres de patates douces, épinards, des trucs comme ça, et que c'était genre les bébés qui prenaient et qui mangeaient tout seuls, et c'est des petits trucs, ça fond dans la bouche, c'est pas des morceaux, des gros morceaux. Et elle m'a dit, donc la dame, la diététicienne, donc pour bébé, pour enfant, elle m'a dit qu'il existait une recette de muffins pomme amande qui était hyper ultra fondante et qui était top pour commencer.